Mes amis, 25 erreurs que moi je fais ici aux États-Unis. 25 erreurs. Si c'était à refaire, j'aurais pas dû faire ça. Alors voici les 25 erreurs que moi j'ai fait ici aux États-Unis. Je fais cette vidéo pour vous aider, vous qui aspirez un jour voyager. C'est juste pour vous aider à élargir les prismes. Alors, la première erreur que je fais aux États-Unis, la première ou une erreur, ou une erreur, c'est une erreur. La première erreur que je fais ici aux États-Unis, c'est d'être embrouillé, aller au Canada ou rester aux États-Unis. Ça, c'est une erreur que beaucoup de gens font. Quand tu arrives aux États-Unis, tu es embrouillé. Aller au Canada, rester aux États-Unis, aller au Canada, rester aux États-Unis, aller au Canada. J'avais pas le choix. J'étais bouleversé. J'étais comme un enfant au bout de deux chemins, aller à droite ou aller à gauche. J'étais isolé, je ne savais pas quelle est la bonne décision. Et il fallait maintenant. Et je partais sur YouTube, il n'y avait pas les gens comme LKBA pour faire, pour expliquer. Il n'y avait pas ce genre de personnes-là. Et j'étais au bout. Et je ne savais pas quoi faire. Aller au Canada ou rester aux États-Unis. Le mois prochain, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, sur le commentaire ici, mets ton nom, ta date de naissance, ton pays. Je vais sélectionner plusieurs personnes qui vont gagner le mois prochain les cadeaux, pas les cadeaux, mais l'argent sur Western ou MoneyGram ou Ria. Ils vont recevoir Money Cash pour fêter leurs anniversaires. Je ne vais pas, j'étais sélectionné. Je vais faire une vidéo, je vais publier tous les gens qui seront sélectionnés ici. Ne venez pas me dire, oh non, moi j'étais sélectionné en cachette. Non. Je vais publier ici, ok? Mes amis, il y a la vie ici aux États-Unis. Si tu veux la vie, ici tu auras la vie. La bière, c'est presque gratuit ici. Fumer, c'est presque gratuit. Si tu veux les femmes, ici c'est presque gratuit parce que ici on paye. Parce que tu pars à la prison. Tout est gratuit ici. Mais ça, c'est là où tu vas gâcher ta vie. Si tu n'as pas Dieu en toi, si tu n'es pas une personne qui sait se maîtriser, si tu n'es pas un homme mature, ici tu vas gâcher ta vie. C'est pour ça qu'il y a les gens qui viennent ici, ils n'arrivent pas à réussir, ils n'arrivent pas à construire en Afrique, ils n'arrivent pas à construire ici. Ils sont là parce qu'il y a les choses que tu bois comme ça te rend malade, mais pendant des ans, tu es toujours mental. Ici, il y a les choses que tu fumes comme ça, tu perds connaissance. Moi, il y avait seulement l'odeur. Je me suis rappelé, j'ai même vu le vision de mes arrière-oncles du village. Raisonner un peu la personne qui filmait maintenant. Ah, il faut laisser. Et l'erreur que je fais, une erreur que je fais ici aux États-Unis, dès le début, je n'ai pas commencé à économiser. Ça, je regrette. Ça, je regrette. Moi, je croyais, non, le jour que je vais commencer à avoir maintenant beaucoup de dollars, je vais commencer à économiser pour faire ceci, pour se marier, pour acheter ceci. Mais non, c'est l'erreur que j'avais fait. Parce que là, tu te retrouves, tu restes avec beaucoup d'argent, tu dis, bon, je vais économiser après. Et si je savais dès le début, j'allais commencer à épargner de l'argent. Et je me suis resté comme ça là. Que vivre, vivre, vivre quand j'aurai un peu un bon salaire, je vais économiser le overtime, tout ça là, c'est l'erreur que je fais ici, dans ces pays-ci. Si c'est à refaire, je ne vais plus faire cette erreur-là. Je vais commencer à économiser dès mon premier salaire. Ok? Alors, ici, il fait tellement chaud ici au studio. Et mon studio ici, il n'y a pas le climatiseur qui entre ici. Désolé, je souffre. Alors, une erreur que je fais aussi au début, c'est prester attention aux critiques des gens ici aux États-Unis. Parce que quand vous arrivez dans ces pays-ci, l'Amérique, surtout les gens qui arrivent et vous vous rencontrez là où il y a la communauté des Congolais, la communauté des Ivoiriens, la communauté des Sénégalais, la communauté des Camerounais, la communauté des Ouest Africains, la communauté des gens de mosquées, la communauté. Mon ami, ici les gens critiquent. Ici on ne te connaît pas, ici on critique, tu n'as pas idée. Surtout les gens qui vivent dans les communautés, ici on critique ce qu'on appelle à Lingala Songi Songi. Yeah! Ici c'est plus plus.
Mais là-bas, les gens ne sortent pas. Hein? Les gens sont connectés ici, tu n'as pas idée. Ici, il y a critique à un niveau impossible. Critique d'ici, ça dépasse même de l'Europe. Et au début, j'ai presté attention aux critiques des gens. Celui-ci avait dit ceci. Celui-ci, quand il avait dit ceci. Et qui avait dit ceci. Et ça m'a créé des ennuis. Parce que j'aurais dû éviter les choses d'écouter. Celui-ci avait dit ceci. Celui-ci t'avait dit ceci. Et il y a les gens qui viennent dans ces pays-ci pour faire chercher. La personne-là, il est numéro B. Il part à dire au numéro A. A, hein? Tu sais, numéro C. Il t'avait dit ceci, ceci. Il part aussi à C. C, tu vois, numéro A avait dit ceci. Maintenant, quand toi, A et C, vous allez vous cogner là. Et lui, maintenant, B là. Il est content. Ici en Amérique, il y a plein de gens comme ça. Des songi-songi. Alors, l'erreur que je disais, j'aurais pu éviter d'écouter les gens des songi-songi. OK? Une erreur aussi que j'ai fait, c'est, je croyais au début, si tu ne parles même pas la question, non, comment j'aurais dit, si tu, les Français, parfois j'ai envie de parler rapide, mais les mots, ça arrive pas dans ma bouche. Alors, si tu n'es pas encore abonné sur cette chaîne, s'il te plaît, abonne-toi parce que tu es dans l'une des meilleures chaînes de la diaspora africaine ici aux États-Unis et au Canada. Abonne-toi sur cette chaîne parce que si on parle de visa, comment voyager, comment investir, comment faire du boulot. Si tu es en Europe, on a des cours en ligne, on vous donne des cours en ligne, comment investir, comment multiplier de l'argent. On a déjà plus de 300 personnes qui prennent nos cours en ligne en Europe. Comment investir, comment multiplier ton argent. Parce que nous, on ne parle pas seulement de devenir riche, non. On parle de comment devenir responsable, avoir des économies, ne pas avoir des soucis avec de l'argent. Comment investir, comment multiplier ton argent, comment ouvrir une petite entreprise qui va te gérer même 50% de ton revenu mensuel. Alors, je pensais qu'acheter une maison ici aux États-Unis, c'est synonyme de réussir sa vie. Je croyais. Et un jour, j'étais avec mon papa américain. On était là. Comment on dit en français? Raser, pour ne pas dire couper, couper. On rasait un peu les pelouses là. Je lui dis, moi, un jour, je veux aussi avoir une maison comme ça, comme toi. Et je vais beaucoup travailler pour avoir une maison et puis être stable. Il me dit, ce n'est pas une bonne idée. Je pense que toi, tu dois louer une maison. Si un jour, tu quittais ma maison. Je n'ai pas voulu continuer l'histoire avec lui, parler de ce sujet, parce que je lui ai vu un peu rude, méchant. Je dis, mais comment ce type ici peut être méchant comme ça contre moi? Je ne veux plus parler avec lui de mes rêves de vivre dans ce pays-ci. Alors, le temps a passé, j'avais toujours l'idée. Et quand j'ai eu mes papiers, les gens sont venus, tu vois, on va t'aider. Tu dois acheter une maison, tu dois construire ton crédit, tu vas. Et moi, je croyais que c'était ça, synonyme de réussir sa vie. Ok, ça, c'était mensonge. Ça, là, c'était quoi? Quand tu habites dans l'appartement, là, tu paies même 1 200, 1 300, tu gagnes 3 000 $. La femme aussi gagne 3 000. Vous avez beaucoup d'argent. 3 000 de la femme, ton 3 000, 6 000 $. La femme peut étudier, toi, tu peux étudier. Et vous payez, je ne sais pas, 6 000, vous payez dans le. Vous payez même pas dans les 30% de votre revenu. Et la maison, ça ne va pas vraiment vous déranger pour payer la maison. Et là, vous êtes calme. Et dès que vous quittez l'appartement, vous partez maintenant à la maison, vous payez plus. Et l'argent, ça fait qu'augmenter. Vous payez tout ce que vous ne payez pas. Et les gens ne vous disent pas la vérité. Et là, maintenant, c'est, vous avez réussi votre vie, maintenant, vous partez maintenant dans les dettes infinies, 30 ans de dettes. Tu ne peux pas aller en Dubaï, tu ne peux pas voyager, tu n'as pas le bon travail. Les travaux ici, les gens travaillent, tu laves tu fais la vaisselle, tu pars là-bas, tu nettoies et tout ça, là, tu veux acheter une maison avec ça. Et c'était les règles que je voulais faire. Chance, j'avais pas fait ça au début. J'avais pas fait ça. C'était pas synonyme de réussir la vie. Les gens qui vivent dans les appartements, ils vivent bien que les gens qui ont des maisons.
Des gens qui vivent dans les appartements, vous allez les voir à l'église, fêtes, voyages, tourisme, acheter, cadonner. Mais les gens qui ont des maisons, c'est toujours non. Warehouse. Une semaine sans travail, c'est la mort. C'est la mort. C'est comme construire un immeuble sans fondation. C'est la mort. Il doit être là, travailler pendant toute sa vie, pendant 30 ans. Je vais sauter. Erreur que je fais au début dans ce pays, sinon je regrette. Mes amis, tu es dans quel pays? Maintenant là, nous sommes fin du mois. Ça va rester une semaine. Je vais dire, dis-moi, quelles sont les erreurs que toi, tu as déjà fait, similaires à moi? Écris-moi ainsi les erreurs que toi, tu as fait, qui sont similaires à mes erreurs. Toutes les erreurs que moi, je fais, qui est similaire avec les erreurs que toi, tu as fait, écris-moi ici. Et dis-moi, quelles sont les erreurs que toi, tu vas éviter? Alors, si tu veux venir ici, dans ces pays-ci, tu n'as pas la green card, tu n'as pas un visa, tu ne sais pas comment faire pour voyager, alors écris-nous sur le lien, sur la description de cette vidéo, écris-nous. Le mois prochain, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, sur le commentaire ici, mets ton nom, ta date de naissance, ton pays. Je vais sélectionner plusieurs personnes qui vont gagner le mois prochain les cadeaux, pas les cadeaux, mais l'argent sur Western ou MoneyGram ou Ria. Ils vont recevoir Money Cash pour fêter leurs anniversaires. Je ne vais pas, j'étais sélectionné. Je vais faire une vidéo, je vais publier tous les gens qui seront sélectionnés ici. Ne venez pas me dire, oh non, moi j'étais sélectionné en cachette. Non, je vais publier ici, ok? Dis-moi, quelles sont les erreurs que toi, tu as déjà fait? Similaire à moi. Écris-moi ainsi les erreurs que toi tu as fait qui sont similaires à mes erreurs. Toutes les erreurs que moi je fais qui est similaire avec les erreurs que toi tu as fait, écris-moi ici. Et dis-moi quelles sont les erreurs que toi tu vas éviter. Alors si tu veux venir ici dans ces pays-ci, tu n'as pas la green card, tu n'as pas un visa, tu ne sais pas comment faire pour voyager, alors écris-nous sur le lien, sur la description de cette vidéo, écris-nous. Alors, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, mets ici sur le commentaire. Ça reste que aujourd'hui c'est le 30, ça reste un seul jour, ok? Alors, ça c'est les rares. Les rares. Les rares. Chance. Chance. Oh LKB, tu vois comme tu viens ici, il faut faire beaucoup d'enfants. Pour avoir beaucoup de bénéfices, tu vois, il faut faire beaucoup d'enfants, la foi, et puis finir la souffrance. Quand les enfants vont pleurer la nuit, là, c'est toi qui vas venir chez moi pour m'aider. Réveille le matin, aller déposer celui-ci, aller faire celui-ci. C'est toi qui vas m'aider. Et beaucoup de gens divorce à cause des enfants. Si tu as beaucoup d'enfants, je peux te dire, tu n'auras pas la vie ici aux États-Unis parce que il n'y a pas de petite sœur pour t'aider. Même si tu as petite sœur, il n'y a pas les gens pour t'aider. Oh non, je vais venir le samedi t'aider avec la maison. Personne ne va t'aider. Tu viens d'accoucher today, aujourd'hui. Demain, tu pars nettoyer la maison. Tu viens d'accoucher aujourd'hui. Demain, tu pars préparer le foufou. Il n'y a personne pour t'aider ici. Tous les gens sont busy. Faire beaucoup d'enfants. Oh non, on paye. Oui, on paye. Un enfant peut avoir dans les 300 dollars par mois ici, on paye. Mais les dépenses, les temps, l'hôpital de l'enfant. Ici, quand tu pars à l'hôpital d'urgence, tu restes même pendant toute la journée. Ils ont déjà découvert ce qui compliquait l'enfant. Mais on vous fait traîner là, mes amis. On vous fait traîner là. Et une autre erreur que je faisais, j'ai sous-estimé les Américaines ou les Américains en général. Moi, je pensais que les Américains ne savent pas s'habiller. Je dis, ah, regardez les Américains ici avec les gros catch, avec les gros tennis, tout ça. Les Américains ne savent pas s'habiller. Oh, que les Américains savaient s'habiller, ils savent s'habiller. Ils s'habillent par rapport au climat, par rapport à ce qu'ils font. Si c'est pour aller au travail de construction, ils ont des catchs là appropriés pour ça. Pourquoi? Parce qu'au cas d'accident, l'Américain ne peut pas se casser la jambe ou les orteils. Parce qu'ils ont des catchs spécifiques juste pour le travail.
Si c'est pour aller dans une soirée, ils ont aussi des chaussures pour ça. Américain, il a séparé. Mais nous, parfois, le même tennis, c'est pour le boulot, c'est pour les sorties, c'est pour aller jouer les ballons, et c'est pour aller faire le footing. C'est la même chose que nous portons. Et les habits, moi, je pensais que les Américains ne savaient pas s'habiller. Ok, les Américains savent s'habiller. Leurs habits, là, c'est original. Vous l'avez multiple fois. Et les jours que je me tais, c'était les jours où j'avais eu un boulot, je partais travailler dans un resto de luxe. Tu sais, là, on fait le quoi, la viande de caviar, là, tout ça, là, où les riches, les Américains, et beaucoup de Nord-Américains, parce que moi, je disais, ah, les Nord-Américains, les Américains ne savent pas s'habiller. Parce que je partais souvent à Walmart, dans le petit supermarché, là, je voyais les Mexicains. Moi, je pensais que c'était les Américains, que c'était rien à voir. Alors, le jour que je suis parti travailler au restaurant, je ne dis pas les restaurants que nous partons parfois de 15$, 10$, non, des restaurants de luxe même, là où vous payez 300$ pour un repas. 300$. Et pour même prendre du vin comme ça, là, c'est 150$. Et là, j'ai vu comment les Noirs américains s'habillaient. Et s'habillaient plus que même les Africains. Ils sont très sexy. Ils savent la mode. Les Noirs américains, les Afro, les gens comme nous, les Noirs américains comme ça, les garçons savent s'habiller. Ils sont là, ils savent vraiment s'habiller. Ils savent vraiment la sapologie. Et la sapologie, c'est ici parce que c'est eux qui ont l'argent. Et ils peuvent acheter toutes choses. Nous, en Afrique, parfois, on attend les choses des Chinois, tout ça là. Et ils achètent toutes choses. Et les tennis, oh mon ami, laisse. Oh les hauts talons, laisse. Les soirées, les robes de soirée, laisse. Les maquillages. Parce que quand on parle de cabello, ce sont les Noirs américains qui ont commencé l'histoire de cabello. Ce sont les Noirs américains qui ont commencé ça parce que les Noirs au Brésil, ils voyaient toujours les Noirs américains avec des cheveux luxe. Mais comment ils faisaient? Et quand ils ont découvert, et là, l'histoire de cabello s'est répandue. Et les Africains aussi, les cabello après. Les Africains faisaient, les Africains tressaient toujours les mèches là, mais les cabello c'était ici. Alors je vais partir rapidement. Une erreur que je faisais aussi, quand je suis arrivé, parce que j'ai écrit pour ne pas s'embrouiller. Ça, c'est mon expérience propre, ok? Je fais cette vidéo pour vous aider à élargir le prisme. Alors, je pensais aussi qu'ici aux États-Unis, il n'y a pas la vie. Il y a seulement, maison, travail, tout. Et c'est toujours le calme. Il n'y a pas... Tu vois, nous, on vient dans une ville un peu chaleureuse. Il y a les gens qui sortent partout dans la ville. Les gens et la musique, tout ça là. Et je voyais ici, c'est comme la cimetière. Et beaucoup de gens, quand ils viennent ici, disent... Ah, regardez les États-Unis, c'est comme les cimetières, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les gens, il n'y a pas les gens. Et il y avait une dame là qui disait, oh bon, je veux passer, ça c'est une autre histoire. Ok, alors, moi je me trompais comme ça, je me disais, ah, il n'y a pas la vie. Mes amis, un jour je suis parti quelque part avec les amis, on était quelque part et c'était, je ne sais pas, je me rappelle, c'était une fête comme ça là. Mes amis, il y avait quelqu'un qui fumait à côté là. L'odeur, je n'ai jamais senti l'odeur là. Moi, je suis en Afrique, moi je fume pas, mais l'odeur que j'avais senti, mon ami, je me suis évanoui. C'était même, je voyais même mes oncles, mes arrière-oncles même du village. C'est mal l'odeur. Je fais 10 minutes inconscient. L'odeur, c'est mal l'odeur. Mais je me disais, mais si j'étais même dans la voiture là même. Et quand je partais là, j'avais les masques. Et il y a les endroits ici, vous partez comme ça, tu n'as pas besoin de sortir. Ici, ils ont partagé les endroits pour les gens de la cité. Ça, c'est pour les gens de l'école. Parce qu'ici, les enfants... Parce qu'ici, vous n'allez pas voir les enfants comme en Afrique. Parce qu'il n'y a pas les enfants en Afrique comme les enfants jouent au ballon ici. Il n'y a pas les gens. Parce qu'à l'école, les enfants partent le matin jusqu'à le soir. Et là-bas, à l'école, les enfants jouent au ballon. Ils jouent au ballon là-bas à l'école. Ils ont le temps de manger, le temps de s'amuser. Et ils rentrent le soir fatigués. C'est pour dormir, faire leurs devoirs. Mais chez nous, les enfants étudient seulement 6 heures du temps. Ils rentrent à la maison pour nous embrouiller. Non, ici, les enfants partent jusqu'à le soir. Jusqu'à le soir, les enfants reviennent. Et il n'y a pas des enfants à la rue. Parce que tous les gens sont à l'école. Il y a les jets là-bas à l'école. Il y a tout à l'école. La nourriture, les enfants mangent là-bas. Et ici, si tu veux les bars, il y a les coins. Au downtown, c'est juste pour les bars.
Là, c'est pour les bars. Là, c'est pour s'amuser. Là, c'est seulement pour ça. Et la cité, là où les gens vivent, il n'y a pas la musique. Chacun avait sa maison, tout ça là. C'est calme. Ici, c'est l'organisation. Mais chez nous, en Afrique, le bar, les églises, tout ensemble, les maisons, les gens viennent du travail fatigués, l'église là, Nzambe, Nzambe, tout ça là, maman Nanga Lobini, tout ça là, la musique à tout moment. La musique, et ici ce n'est pas comme ça. Ici ce n'est pas comme ça, ici c'est tout partagé. Ici il y a les boîtes comme ça, une fois, et j'étais pas parti, j'avais un ami, et tout ça là, tu sais comment, et puis j'ai pris les Instagram. C'est pour cela que j'aime plus prendre les Instagram de. Les Américains, parce que. Et leurs Instagram, c'est personnel, c'est privé. Et quand j'ai pris l'Instagram, et je voyais maintenant le boîte et nous qui est parti, les vidéos maintenant qui est publiées. Mon ami, toi, tu n'as jamais été dans boîte de nuit. Tu n'as jamais été dans boîte de nuit dans ta vie. Le jour que tu vas venir aux États-Unis, tu vas connaître c'est quoi boîte de nuit. Ici, il y a les boîtes de nuit comme ça. Là où pour prendre les vins là. Ça sort d'une femme, maintenant, là, c'est là où tu prends les vins. Mon ami, il y a des choses bizarres. Les diables dans ces pays ici, c'est bizarre. Et je voyais ça dans les Instagram de mes amis comme ça. Je me disais, c'est là où vous partez, ici, c'est comme ça. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas une vie, ça. Il y a les boîtes de nuit comme ça, les gens parlent là-bas. Quand tu arrives dans la boîte de nuit, là, c'est mal la porte. Tout le monde se déshabille, c'est mal la porte, là. Quand tu entres là-bas, il ne faut pas avoir habillé avec toi. Vous restez là-bas toute la nuit là-bas. Et non. Non, c'est dégueulasse. Je sais que vous, pour vous, ce n'est pas dégueulasse. Pour moi, c'est dégueulasse. Alors, ici, il y a des choses que tu te dis non. Non, 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 non. Il y a une chose aussi que je. Quand je dis erreur, ce sont les choses aussi que j'ignorais. Et les choses que j'ai mélangé ça. Ah. Le mois prochain, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, sur le commentaire ici, mets ton nom, ta date de naissance, ton pays. Je vais sélectionner plusieurs personnes qui vont gagner le mois prochain les cadeaux, pas les cadeaux, mais l'argent sur Western ou MoneyGram ou Ria. Ils vont recevoir Money Cash pour fêter leurs anniversaires. Je ne vais pas, j'étais sélectionné, Je vais faire une vidéo, je vais publier tous les gens qui seront sélectionnés ici. Ne venez pas me dire, oh non, moi j'étais sélectionné en cachette. Non, je vais publier ici, ok? On vous fait traîner là pendant toute la journée, je ne sais pas. Moi, un jour, j'avais parlé à mon ami Dorothée, infirmé. J'ai dit, mais on parle là-bas chez vous. Vous avez déjà vu que l'enfant, c'est la grippe, c'est les maux de tête, tout ça. Mais pourquoi on fait attendre ici pendant 10 heures, 3 heures, on ne fait rien ici? Pour seulement que l'argent entre, non? C'est ça, non? Bande de voyous. Faire beaucoup d'enfants, vous allez gagner beaucoup d'argent, c'est bon. Et beaucoup de gens ont divorcé à cause des enfants. La femme n'a pas le temps de bien dormir. La femme travaille toute la journée, elle vient les enfants. La nuit, la femme ne dort pas. Stress! Tout est stressé, tout devient colérique. Et les enfants d'ici sont toujours collés, serrés, tout ça là. Turbulents, les enfants d'ici sont turbulents ici, tu n'as pas idée. Faire beaucoup d'enfants. Non, ce n'est pas comme ça là. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup d'enfants ici qui n'ont pas étudié l'université. Pas lentement, lentement. Lentement, lentement. La course avec personne. Vis ta vie. Le mois prochain, si tu vas fêter ton anniversaire le mois prochain, sur le commentaire ici, mets ton nom, ta date de naissance, ton pays. Je vais sélectionner plusieurs personnes qui vont gagner le mois prochain les cadeaux, pas les cadeaux, mais l'argent sur Western ou MoneyGram ou Ria. Ils vont recevoir Money Cash pour fêter leurs anniversaires. Je ne vais pas, j'étais sélectionné. Je vais faire une vidéo, je vais publier tous les gens qui seront sélectionnés ici. Ne venez pas me dire, oh non, moi j'étais sélectionné en cachette. Non. Je vais publier ici, ok? Faire beaucoup des enfants. Et même, ils souffrent avec les enfants. Ils souffrent. Quand tu vois un Africain te dire, fais ça, c'est que c'est mauvais. Un vrai Africain ne peut pas dire à son frère africain de faire quelque chose qui est bon. Parce que l'Africain a l'habitude
de si quelque chose est... Non, on va garder ça, ils vont venir détruire l'affaire ici. C'est ça l'esprit africanisme, l'esprit des Africains. Quand une chose est mauvaise là, venez, on va souffrir ensemble, venez, venez. Bande de voyous. Ah, je regrette vraiment. Il y a une erreur que j'ai faite, c'était regarder la télé et coucher. Non, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire seulement regarder beaucoup la télé et utiliser mon téléphone. Et aussi, je voulais aussi dire coucher après 22h, dormir après 22h. Ça, je dois, parce que ces derniers temps, si j'ai recommencé les sales habitudes de dormir et tard. Il faut dormir avant. Tu viens du travail. Ici, c'est l'Amérique. La télé, moi, je ne regarde pas beaucoup des informations. Non. Parce que ce que tu regardes, c'est ce qui va transmettre à tes pensées. Tu regardes, attendez un peu, ce que tu raisonnes, c'est ce que tu as vu. Et ce que tu fais, c'est ce que tu as raisonné. Alors, fais attention avec ce que tu vois. Parce que si tu vois une chose à la télé, non, il y a des guerres, tout ça là, et tu vas commencer à penser guerre, la souffrance, et tu vas agir comme quelqu'un détressé, comme quelqu'un abattu. C'est pour cela, moi, je choisis ce que... Moi, je ne regarde pas la télé. Moi, je regarde seulement YouTube. Je vais voir ceci. Je vais regarder ces youtubeurs parce que lui, il parle de bonnes choses. Je vais regarder ceci. La télé, là, je ne regarde pas. Je ne regarde même pas. Je ne regarde pas. Même avec ce qui s'est passé avec les Jeux Olympiques, là, la façon qu'ils ont méprimé et boycotté notre religion, je ne regarde pas. Et dormir avant 22h. On venait du boulot comme ça, fatigué quand on vient. Nous, à l'époque, moi, j'étais bien à l'époque. On partait avec ma femme au boulot. Et là, c'était au restaurant. On travaille, on mange là-bas. On rentrait à la maison, on avait plus faim parce qu'on avait mangé. On mange là-bas au resto, tout ça là. Quand on rentre à la maison, on fait un peu d'hôtel, tout ça là, juste pour sucer, non. On part se baigner, on part dormir. 20h, 21h, on est déjà 21h déjà sur le lit. On dort déjà. Au plus tard, 22h, on dort. On éteint tout, la télé, tout, 22h, pongi. Les matins, 6h, vous êtes réveillés, vous partez au travail. Et vous réveillez bien à l'aise. Vous allez voir les gens jusqu'à... Ici aux États-Unis, il ne faut pas rester jusqu'à 0h. La télé, les week-ends. La télé, oh, je veux voir les films et les Nigeria, les week-ends. Oh, je veux voir les théâtres, les week-ends. Je veux voir TikTok, les week-ends. Si tu veux voir quelque chose, c'est... Tu regardes la vidéo de LKB sur YouTube. Tu regardes un peu la vidéo des informations dans votre pays. C'est sûr. Tu regardes un peu quelqu'un qui peut résumer un peu les informations de la journée sur YouTube. Ça va. Deux ou trois vidéos de 10 minutes. C'est fini, tu pars dormir. Tu causes un peu au téléphone. Tu pars te reposer. Oh non, le samedi, c'est le samedi. Tu veux faire les jets le samedi. Tu veux, oh non, moi je vais les samedis. Tu veux danser les samedis, les week-ends. Parce que si tu ne fais pas ça, mon ami, tu vas devenir malade. Il faut économiser l'énergie. Et les règles que je faisais, et dès que j'ai arrêté ça, ma vie, j'ai beaucoup développé. Il y a encore une erreur que j'ai beaucoup fait dans ma vie. Quand j'étais arrivé aux États-Unis, je regrette, hein. Je regrette de faire le overtime. Ça, c'est l'erreur que j'ai dit toujours aux gens. Quand tu viens aux États-Unis, arrêtez de faire le overtime. Si c'est moi qu'on t'a forcé. Mais sinon, moi, je vais arrêter. Si on ne te force pas, arrêtez de faire le overtime. Mon ami, tu perds le temps de faire le overtime parce que le jour que tu vas sortir de ce travail-là, tu es KO. Le temps que tu perds à faire le overtime, prends le temps là. Commence à créer une chose comme une façon de recevoir ou une source de revenus à toi seul. Le jour que tu vas sortir de ce travail-là, cette source peut t'aider, peut t'épauler.
Il y a une erreur que je faisais encore. Ça, c'est pour les gens qui dirigent la voiture. Tu sais, quand tu diriges la voiture, l'erreur que je faisais, c'est quand il y a feu jaune, je me précipitais, vroncer l'accélérateur pour passer, pour ne pas prendre rouge. Ça, c'est l'africanisme, mes amis. Ça, c'est l'africanisme. Ça, c'est l'africanisme. Si tu viens d'arriver, je suis en train de parler de 25 erreurs que moi, perso, je fais ici aux États-Unis. C'est juste pour vous aider à élargir les prismes. Alors, quand c'était feu rouge comme ça, là, feu vert, je vois seulement jaune. Vroom! Et la plupart des cas, je passais avec le rouge. Au Texas, c'est bien, mais à Illinois, je ne sais pas si c'est la sorcellerie. Tu vois vert. Après quelques secondes, jaune, rouge. Oh! Et puis à la fin du mois, 100 $, tu te passes sur rouge. Mais comment ça? Il y avait seulement jaune 2 secondes et rouge directement comment? Mais au Texas, c'est jaune. On prend le temps de vous dire que c'est jaune, rouge. Ici, non. Surtout ici à Illinois, les chemins qui croisent comme ça, quand tu changes la bande. Tu peux rester là pendant une heure du temps. Tu ne vas pas voir le vert pour toi pour traverser. Tu restes là-bas pendant une heure du temps. Depuis que tu es là au volant. Tous les gens passent. Rouge, rouge, vert. Mais toi, ici à Illinois, pour voir ton feu vert là comme ça pour toi, de changer la bande. Comme ça là. C'est comme s'ils font ça exprès pour que tu puisses passer avec le rouge à la fin du mois 100 $. Il faut m'expliquer. Moi, je ne comprends pas pourquoi ici à Illinois, c'est comme ça. Oh, l'erreur que je faisais au début, c'est passer tout mes temps sur TikTok. Si mes téléphones ici, je n'ai pas l'application TikTok. Pourtant, je publie les vidéos sur TikTok. Chaque jour, je publie les vidéos de voiture là-bas. Je n'ai pas l'application TikTok. J'ouvre l'application TikTok juste pour publier mes vidéos, c'est tout. Et je sors. Je sors. Parce que quand nous sommes arrivés aux États-Unis, les fêtes, non. Beaucoup de fêtes, beaucoup d'églises, beaucoup d'amis, football, chaque jour, c'était l'ambiance. Chaque jour, vous partez manger. Donc, c'était lundi à lundi, ambiance sur ambiance. Et si tu as une dette, ta maison, les gens plein chez toi à la maison. Plein chez toi à la maison. Une fête, même de l'enfant, plein chez toi à la maison. À un moment, si tu veux réaliser des rêves comme ça, il faut s'éloigner un peu. Parce que ça ne va pas. Parce que tu es toujours. Parce que tu ne sais pas si qui va venir chez toi à la maison. Les gens viennent chez toi à la maison sans programme. Quand tu ouvres. Les gens viennent, tout ça là, c'était comme Kinshasa. Tu pars manger chez celui-ci, celui-ci vient manger chez toi, vous sortez, c'était comme si il n'y avait plus la différence. C'était, on parlait que Lingala et Lingala. C'est comme si on vivait plus aux États-Unis, on ne vivait plus. Et trop, 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 c'est aussi mauvais. C'est aussi mauvais, trop, trop, c'est aussi mauvais. Il y avait aussi les hommes comme ça qui revenaient à la maison seulement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non, trop de l'ambiance aussi, ça ne va pas. Ça, c'était une erreur. Ça, c'était une erreur. Trop des amis, ça ne va pas. Ok, je vous dis merci si vous étiez là jusqu'ici. Dites-moi comment vous avez apprécié cette vidéo. J'ai presque tout parlé. J'ai parlé un peu du business. J'ai parlé de l'économie, les cartes de crédit, acheter maison. J'ai parlé des amitiés. J'ai parlé de la maison, faire des enfants, tout ça là. J'ai parlé de beaucoup de choses. J'ai parlé aussi de l'immigration parmi les erreurs que j'avais faites. Et pendant tout ce temps, si vous avez assisté à cette vidéo, dis-moi, quelles sont les erreurs que toi, tu as déjà faites? Similaire à moi. Écris-moi ici les erreurs que toi tu as fait qui sont similaires à mes erreurs. Toutes les erreurs que moi je fais qui est similaire avec les erreurs que toi tu as fait, écris-moi ici.
Et dis-moi, quelles sont les erreurs que toi, tu vas éviter? Alors, si tu veux venir ici, dans ces pays-ci, tu n'as pas la green card, tu n'as pas un visa, tu ne sais pas comment faire pour voyager, alors écris-nous sur le lien, sur la description de cette vidéo, écris-nous. Il y a notre lien Instagram. On se revoit, à demain. Bye bye.